C'est hyper difficile de se définir et de... Enfin, je pense que j'ai passé toute ma vie à essayer d'empêcher qu'on me mette dans une case avec une étiquette. Donc, je comprends que ça soit déstabilisant pour des gens d'avoir le sentiment que je brouille les pistes en permanence et de pas savoir finalement comment me définir en me disant « Mais vous êtes, vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous êtes militant? Vous êtes réalisateur? Vous êtes écrivain? Vous êtes... » Et j'en sais rien, on va dire. Je me sens créateur, en tout cas, je pense. Ça, je pense que c'est quelque chose qui traverse tout ce que je fais. J'aime créer. J'aime créer des relations, j'aime créer des projets, j'aime créer des œuvres. Et j'aime me créer moi-même aussi. C'est-à-dire essayer de malaxer ma propre matière pour essayer de la faire... de jouer à l'alchimiste, quoi. Essayer de transformer le plomb en or à des moments. Moi, j'ai eu un parcours qui s'est fait vraiment en plusieurs étapes, puisque j'ai commencé par l'art, puisque j'ai une formation d'art dramatique. J'ai commencé à écrire quand j'avais 13 ans. Et aux alentours de 24 ans, j'ai quasiment tout laissé tomber, à part l'écriture, parce que j'y trouvais pas mon compte, parce que je travaillais comme jeune acteur de façon alimentaire. C'est-à-dire que je faisais des pubs, je faisais des téléfilms. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens dans ma vie. J'ai envie de me parcourir. J'adore cette phrase de Michaud qui dit « j'écris pour me parcourir ». Et moi, j'ai très envie de me parcourir, ouais. En faisant plein de choses différentes. Et donc, ne trouvant pas de porte de sortie, et puis, ça, je m'en suis rendu compte plus tard, étant encore trop effrayé par le fait d'aller puiser en moi des choses trop intimes, je crois, j'ai un peu laissé l'art de côté et je suis allé vers le militantisme. Et d'abord le militantisme plutôt interreligieux, interculturel, puisque j'organisais des congrès israélo-palestiniens, des congrès d'imams et de rabbins. Et après, j'ai commencé à m'engager dans la question écologique en 2006, quand j'ai créé un mouvement qui s'appelle Colibri, avec Pierre Ravi. Et là, j'ai subi une formation accélérée. C'est-à-dire que j'ai plongé dans le sujet, j'ai été voir des centaines de conférences, j'ai lu des dizaines de bouquins, j'ai rencontré plein de gens. Et donc, d'une certaine manière, c'est plutôt l'écologie qui s'est mise à investir mon espace intérieur. Et il se trouve que le déclencheur a été dans l'autre sens. C'est-à-dire, il y a eu un déclencheur qui a fait que je suis repassé de l'écologie et du militantisme à l'art, qui était un burn-out en 2012. Et j'ai compris que l'espèce de frustration créative que j'avais faisait qu'au lieu de créer des œuvres, bah, je créais des projets. Sauf que créer des projets, il faut s'en occuper après. 1, 2, 3, donc j'avais créé une ONG, j'avais créé un magazine, j'avais créé une collection de bouquins. Mais contrairement à un livre ou à un film où à un moment c'est fini, ou à une toile, et on peut passer à autre chose, là c'est jamais fini, donc ça s'empile. Et donc j'ai... À un moment, je me suis écroulé. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais, et de repartir vers la création, et naturellement de repartir de l'endroit où j'étais, qui était un endroit d'engagement, et qui était un endroit où tous ces sujets-là me traversaient, m'angoissaient, m'interrogeaient. Pour moi, l'art, c'est vraiment une façon de nous relier à la quintessence de ce qui nous rend vivants, d'une certaine manière. Et donc, dans un monde qui s'attaque aux vivants sur le plan écologique, c'est-à-dire qui s'attaque à la biodiversité, qui s'attaque aux équilibres climatiques, qui s'attaque... à l'océan, en inondant ça de plastique. Pour moi, l'art est vraiment un endroit où on peut aller raviver chez chacun d'entre nous cet élan à être vivant et donc à avoir envie de défendre la vie sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022, c'est quand même assez difficile d'être un artiste et de pas être un catalyseur, ou alors on a vraiment fermé toutes les écoutilles, mais d'être un catalyseur de ce sujet-là qui est, pour moi, le grand sujet du XXIe siècle. Là, on est en train de faire un spectacle et un livre et un album qui s'appelle Résistance poétique, avec l'idée justement que la poésie peut être un endroit de résistance à ce monde consumériste, productiviste, utilitariste. Et la poésie, au sens large du terme, c'est-à-dire l'art poétique, mais aussi la poésie dans l'art. Et donc, on a mobilisé plein d'artistes que j'aime beaucoup, donc Prune Nourry, J.R., Ernest Pignon-Anest, pour Rachid Koreshi, pour
s'allier avec Sébastien Hoc, qui est un musicien, et puis moi qui écrit des poèmes, et construire un objet comme ça qui essaie de parler de cette résistance poétique. Donc par exemple, tout ce que fait J.R. ou ce qu'a fait Ernest Pignon-Ernest, qui est un peu son inspiration dans la capacité de mettre dans l'espace public et même dans des endroits les plus tragiques. Par exemple, ce portrait de Mahmoud Darwish, qui est aussi un poète que j'adore, sur le mur qui sépare Jérusalem Est et Ouest. Bon, c'est bouleversant, quoi. J'adore aussi ce que fait Banksy dans le même registre. Et j'adore sa relation à l'art, justement, dans le fait que c'est gratuit et qu'on ne sait pas qui c'est et qu'ils vont passer des trucs ou que quand ils sont vendus à une vente aux enchères, ils les sabotent pour que ça s'autodétruise. Je trouve que c'est vraiment... C'est génial, quoi. Il y a quelque chose de la quintessence de la démarche artistique qui est formidable. On a coutume de dire qu'on écrit trois fois un film. C'est William Friedkin qui disait on l'écrit au moment du scénario, au moment du tournage, au moment du montage. C'est encore plus vrai pour les documentaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les choses vont m'échapper à chacune des étapes. C'est-à-dire m'échapper un peu à l'écriture, ce qui est souvent moins le cas pour un scénario où on a tendance à être très structuré, m'échapper au tournage. C'est ce qui s'est passé par exemple pour mon deuxième film Animal, où on avait commencé en creusant une voie, en se disant tiens, on va faire un film sur l'extinction de masse des espèces, donc on va trouver les 5 grandes causes, et pour chaque grande cause on va trouver des solutions et on va aller voir les gens qui élaborent ces solutions. Et on va passer par le prisme de 2 adolescents, et au bout de quelques jours de tournage avec mon chef opérateur, on s'est dit mais c'est extraordinairement chiant ce film-là. Oh là là. Et on s'est dit, ce qui est le plus intéressant dans les quelques jours de tournage qu'on vient de faire, c'est Bella et Vipulan, c'est les deux ados. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est ce qui se passe dans leurs yeux, dans leur tête, c'est les émotions qu'ils traversent, c'est le processus de transformation qui va s'opérer en eux. Et donc on a complètement changé notre fusil d'épaule en se disant, au lieu de s'axer complètement sur les solutions, c'est plus intéressant qu'on s'axe sur des expériences transformatrices pour eux. Et donc on s'est laissé surprendre, et pareil au montage. C'est-à-dire qu'au montage, on a souvent une idée, on se dit « voilà, mon film c'est ça, clac, et puis en montant, on se rend compte que c'est autre chose. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je pense que c'est vraiment une des clés du travail d'un artiste, c'est d'accepter que ça lui échappe. En fait, pour moi, les êtres humains passent leur temps à élaborer des récits, des histoires. Nancy Houston, qui a écrit ce livre que j'adore, qui s'appelle « L'espèce fabulatrice », dit « Raconter des histoires, pour nous, les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. » C'est-à-dire qu'on perçoit tous la réalité de façon subjective, c'est-à-dire qu'on perçoit des fragments de la réalité et on essaye ensuite de les mettre bout à bout avec un début, un milieu, une fin, une trajectoire de sens, et ça, en fait, c'est raconter une histoire. Donc, raconter des histoires, c'est partager notre subjectivité avec les autres humains. C'est partager la façon dont on perçoit la réalité et essayer de faire en sorte que ça soit compréhensible par les autres. Et plus ces histoires sont partagées par un nombre important de personnes, ça c'est ce que dit notamment beaucoup Yuval Harari dans Sapiens, c'est-à-dire plus on est nombreux à adhérer aux mêmes récits, aux mêmes histoires, plus ensuite on est nombreux à adhérer aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. Parce que si on regarde bien le monde tel qu'il est organisé, tout est histoire, tout est convention, tout est fiction. L'argent, par exemple, c'est une fiction. Je veux dire qu'un billet comme ça vaut 20 euros, c'est juste parce qu'on est d'accord tous pour jouer à ce jeu-là. Mais si vous allez dans le fin fond de l'Amazonie avec un billet, avec des gens qui n'utilisent pas l'argent et que tu te dis bah, « tiens, je te donne ça et en échange tu me donnes à manger », il va dire bah, « non, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton bout de papier ?» Ça n'a pas de valeur puisqu'il n'adhère pas au même récit, à la même convention. La question maintenant, c'est d'une part de prendre conscience, nous les humains, que nous vivons dans des récits. Et que comme ce sont des récits, nous avons du pouvoir sur eux. Et que si l'organisation du monde a été définie par certaines personnes de cette façon, elle peut être redéfinie d'une autre façon, en proposant d'autres récits. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ça, de se demander dans quel récit on a envie de vivre. Et ces récits, ce qui est très intéressant, c'est de voir de quelle façon ils sont portés, de quelle façon ils sont imposés. Donc aujourd'hui, quel genre de récit pourrait nous permettre d'engager des mouvements de transformation de nos sociétés? Où est-ce que, c'est ce que Rob Hopkins disait dans Demain, il disait, mais il y a
un million d'histoires qui racontent comment l'humanité va disparaître parce qu'il y a une bombe atomique, parce qu'il y a des extraterrestres, parce qu'il y a des gremlins, parce qu'il y a une catastrophe écologique. Mais où sont les histoires qui racontent comment on pourrait s'en sortir? Où sont les histoires qui racontent comment le futur pourrait être autre chose que Mad Max ou Blade Runner, un délire ultra technologique avec l'intelligence artificielle qui prend le pas sur les êtres humains, ou alors un truc apocalyptique? Il n'y en a pas. Et c'est impossible de se dire qu'on peut engager des mouvements pour embarquer des millions de gens pour construire une société différente s'ils sont même pas capables d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et s'ils sont enfermés dans le récit actuel. Donc pour moi, il y a une urgence à ce que les artistes, et particulièrement dans mon domaine, en tout cas les scénaristes, les réalisateurs, les romanciers, mais ça peut être valable pour les peintres, ça peut être valable pour les artistes contemporains, inventent ce type de récit-là. Et ne le fassent pas, encore une fois, dans une démarche purement utilitariste, mais le fassent en essayant d'aller au contact d'un certain nombre de réalités nouvelles, d'aller voir des fermes en permaculture, d'aller voir des gens qui vivent dans des éco-villages, d'aller voir des biologistes et de se faire emmener dans le monde vivant et de se laisser traverser par tout ça, de se laisser infuser et puis ensuite de voir ce qu'il en sort et de voir quel genre d'histoires peuvent en sortir en essayant de casser les murs qui limitent nos capacités d'imagination.